Salut les viewers, c'est Mathieu Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Toujours en solo, hein, malheureusement, là, je... Enfin, de toute façon, entre le temps que je perds à retourner des vidéos parce que je suis malade ou n'importe quoi, c'est pas la peine. En plus, bonne nouvelle, le rhume d'hier se transforme en état grippal aujourd'hui, c'est épique. J'ai mal partout, c'est pas bref, c'est la fête, je vais pas vous faire un dessin. C'est véritablement la fête. Heureusement, bonne nouvelle, j'avais parlé depuis... Je parle depuis longtemps de l'utilisation d'une... Comment ça s'appelle? D'une... leg pour le sprint, et effectivement la leg sprint va arriver très bientôt sur le jeu. Elle a été conçue entre guillemets par boum, on appelle ça de la précision, l'ami. Oula, ils vont changer la musique. Aïe, ça fait mal. Les roquettes autoguidées. Et j'ai mal et tu ne me viseras pas. J'y retourne et je meurs vite. Yeah. Et regardez tout ce que je lui ai mis et seulement rien lui a été enlevé. Je me fais avoir. Je peux plus avancer. C'est terrible. Ça y est. Un petit coup de main. Un petit coup de main. Aïe. Bon, le mec là, il serait peut-être temps de l'avoir, non? Je sais pas. Je m'étonne que j'ai pas réussi à le toucher. Bon, vengeance. Hein. Et lui, il serait peut-être bien de le toucher, non? Je sais pas, ça me semble... Boum. Ah, mais tu vas te calmer. T'es pas censé pouvoir monter plus haut que moi, hein. Pourquoi il peut monter plus haut que moi? C'est qu'un hélicoptère, hein. Normalement, devrait y avoir une limite, hein. Ou alors devrait pas y en avoir pour moi, justement. Mais bon, j'imagine que c'est la propulsion et le poids de l'appareil qui fait qu'il peut voler plus haut que moi. Il va pas recommencer, pas deux fois. Oh, les mecs. Ah non, mais je suis tout seul sur lui, hein, c'est pas la peine. Le mec, il est libre de faire ce qu'il veut. Allez, aidez-moi. Merde, je suis tout seul. Alors, c'est pas grave. Pas grave. On va remettre de quoi me couvrir le... Ah merde, il est par là. Hop, non, là, je suis plus en face. Mais... Aïe. Alors, est-ce que quelqu'un va essayer de toucher cette saloperie, non? Ça y est. Waouh. Il va falloir que je me rajoute des canons devant moi. Ah bon? Et donc il fait que ça en fait, nous rush. Voilà, merci de bien revenir beaucoup plus tard. Et oui, mais non, mais personne veut l'avoir ce truc là, donc je sais pas, moi je veux pas m'embêter à me faire tuer tout le temps. C'est pas la peine. Honnêtement, si vous voulez pas l'avoir, le tuez pas, mais dans ce cas là. Je sais pas, prenez pas d'anti-aérien ni rien. C'est pas la peine. Eh oui, je sais plus ou moins viser. Eh ben non. Oula, oula, pourquoi c'est moi qui suis visé? Le mec, il a un adversaire juste à côté de lui. Ah, puis il m'énerve l'autre toutoun là, essayer de nous péter notre réacteur à chaque fois là, et dès qu'il spawn en fait il y va quoi. Hop là.
Hop. Bah alors, ça fait quoi quand c'est vous qui vous faites rusher? Aïe. Le problème c'est qu'il est tellement fragile maintenant ce robot. Hop. Ah, j'étais sur le point de régen. C'est dégueulasse, je m'insurge. Mais non, il vient pour m'achever. Je ne suis pas d'accord. Your plutonium reactor is under attack. Your top fusion tower has been captured. Hop. Je l'ai vu. N'était pas, je l'ai vu. Oh! Mais un chargeur complet, ça fait que ça comme dégâts. L'équilibrage. Voilà. Retourne chez ta maman. Aïe. Faut croire que moi ça m'en fait plein des dégâts. Et donc vous allez le laisser me tuer genre enfin déjà c'est même pas censé voler cette histoire. C'est quoi? C'est 2 mégas? Mais les mégas c'est pas censé être super méga lourd? Bah vas-y, quitte-moi hein, je suis désolé hein. Non non, tu l'auras pas comme ça, vas-y l'ami. Bute-le. Oh mais non mais oh, c'est le Radius qui m'a eu. Oh la gueule. Il devrait être facile à tuer normalement en plus. Enfin bon, c'est comme ça. Bon. Je vais essayer de re-rush les murs en fait. Ah oui, non mais il est dur à tuer celui-là, hein. C'est clair, hein, mais... C'est clair. Et voilà. Hop. Je vais encore me faire une aide. Parce que une arme auto-guidée fait plus de dégâts que mes armes à moi. Bah oui, c'est logique. Merci le jeu. Vous savez que normalement il y a un ordre à faire, hein, Free Jam, hein, genre les armes faciles à utiliser font moins de dégâts. Parce que sur le principe, si Winston avec son comment son ses dégâts. Ces dégâts sur la durée là devait viser en plus, enfin ça devait faire genre autant de dégâts que les coups de Reinhardt. Enfin vous comprenez que un tic toutes les secondes de 75 de dégâts ça serait rapide hein. Tout ne peut pas se baser que sur la capacité d'une arme à faire des dégâts ou pas hein. Ou alors qu'elle ne vise que certains types d'ennemis. Et voilà. Ouais, je m'éclate, littéralement. Et en plus, il a une portée très très grande, génial. Enfin bon, c'est pas grave. Merci le jeu. Eh bah c'est cool. Ah, ils l'ont eu. Le nôtre, ils ont eu le nôtre, d'accord, ok, c'est cool. Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, moi ça me fait juste rager parce que j'ai rien pu faire de la game quoi. Dès que je volais, mais de toute façon c'est ça. Dès qu'on prend un ennemi volant, on se trouve face à plein d'ennemis qui sont capables de nous buter en face. Dès qu'on prend un ennemi terrestre, on se retrouve face à des shredders, c'est pas la peine, c'est pas grave. Enfin bon, le matchmaking est toujours aussi rigolo. Voilà, ok, on repart dans une deuxième game, c'est parti. Et on va prendre, pas le worm, parce que de toute façon c'est pas la peine, faut prendre un truc cheaté. Faut prendre un truc cheaté, donc soit le Tesseract, tiens on va prendre le Tesseract, non peut-être pas le Tesseract. Oh si, tiens le Tesseract, hop, on y va, c'est parti, Battle Arena. Et de toute façon, je vois pas pourquoi on le ferait pas vu que tous les autres le font. Enfin bon, c'est pas grave. Si, une chose que je regrette, chers amis, j'y ai pensé cette nuit en fait. Pendant un temps, on est d'accord, il y a bien eu une version améliorée de toutes les électroplates. Au niveau, entre guillemets, X, si je me rappelle bien de mémoire. Pourquoi ils ont enlevé ça? C'était bien, c'était très très bien. En fait, ça rendait le jeu... Enfin, ça donnait un endgame potable au jeu, parce que là, en fait, on a des électroplates qui sont moisies. Qui
prennent parfois un coup de comment de pistolet, puis c'est bon, enfin de SMG, puis c'est bon. C'est dommage. C'est véritablement dommage. Ah, attendez, faut que je nettoie mon tableau. Hop, pour écrire que j'ai bien fait le Robocraft. Alors mon il y aura du BDO. EDH. Hop, voilà. Tac, c'est bon. On y va. Ok, alors, on y va. Bon, rapide cela, dis donc. Ah! Non, c'est pas par là que je vais aller! Ok! Si quelqu'un avait du huile, ce serait cool! Du huile! Connard! C'est quoi cet esprit du rush? L'esprit du rush! Oh! Ah, mais merde! Pas encore! J'adore cette arme! Bien sûr, il continue à me faire des dégâts bien après, hein, c'est pas grave. Y'a pas un sniper dans l'équipe? Mais là, on est bien parti pour perdre, sinon, hein, je vais pas dire, mais bah non, on est bien parti pour perdre en général. C'est cool, bon, bah c'est pas la peine de la jouer, hein. On peut surrender? Est-ce que je peux surrender? On peut pas, dommage. Allez! Eh ben non! Voilà, merci. Voilà! Hop. C'est pas la peine. Moi j'abandonne, là. Pour le coup, là j'abandonne. En plus, pourquoi j'ai... Voilà, je préfère. Ah non, ça veut pas, hein. À faire des dégâts, c'est pas la peine, hein. C'est... Non. Ok, et maintenant le machin qui vole, là, le déchet volant, là. Qu'est-ce qu'il est? Alors... Voilà... Ils rush, sont des gens en mode rush. Mais... Alors, la suite. Alors pourquoi tu continues à voler alors que je t'ai enlevé tous tes... Qu'est-ce qu'il y a qui me défonce maintenant? Alors moi j'ai même plus le droit de voler, hein. C'est génial. Bah bien, bien. Non mais c'est cool, c'est cool. Là cet épisode en fait ce sera juste, je me serai fait niquer par des... En fait la plupart des épisodes sera fait niquer par l'ensemble quête guidée. Voilà, merci le jeu. Parce qu'il n'y a pas un fichu sniper dans la game. Non. Non. Ah mais c'est fou en plus, hein. C'est même plus le truc qu'il a. Vas-y, éclate-toi, c'est pas la peine. Non mais c'est pas la peine.
Moi, les missiles qui font demi-tour à 180 degrés, c'est pas la peine, hein. Je suis désolé. Hein. Vous avez vu l'angle? Vous avez vu l'angle des missiles? C'est fou, hein. Ah, si c'était comme ça dans les films d'action, eh ben dis donc, il y en aurait des morts hein, dans les héros. Hein. Oh putain! Et voilà, on fait que ça, il fait que ça le mec. Y a pas un sniper pour l'en empêcher. Pas un sniper pour le bloquer. Allez les snipes, butez-moi ce mec, putain. Le mec il est... C'est pas la peine. Hop, voilà. Bah si, 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 je me fais chain kill, bah c'est pas la peine, j'ai pas envie de jouer. Allez, hop, c'est parti, on y va. Ils veulent pas sur Ender, ils sont abrutis, c'est pas possible. C'est pas la peine, on a pas le dessus, on se fait chain kill depuis le début, il n'y en a pas un pour buter. Ah bah oui, bah je comprends mieux maintenant. On a une bite sur roue là, on se crack. Donc ça c'est pas prêt de buter le machin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui il vole donc il est mort aussi. Ah bon, c'est... Alors lui là, avec son... Ah bah oui, on peut pas gagner. Alors là... Là on peut pas gagner avec ça. C'est pas la peine. Et voilà. Voilà, c'est fait. Vous imaginez une team remplie de trucs comme ça? Ah, je m'éclate, hein. Honnêtement, je m'éclate. Littéralement. Ils n'ont pas voulu sur Ender, c'est inutile. Allez, 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 on sort. Oh, regardez, regardez, il joue même pas. Voilà. Je peux re-surrender. Non, je peux pas. Hop. Eh ben non, même pour partir de mon spawn, je me fais défoncer. Oui! Ah non, il y a toujours un abruti pour dire non. Hein. Ah, il y a deux abrutis pour dire non. Alors, J'ai même pas envie de lui répondre. Le mec il regardera un petit peu ses alliés, il verra qu'il y a rien pour contrer les adversaires quoi. C'est pas grave. Enfin bon, c'est Robocraft, c'est normal que je rage. Vous me direz. Alors, du légendaire peut-être. Il y a des fois où j'ai pas autant de rares dans une game. Dans une boîte comme en platinium. Alors, de toute façon, quand on s'appelle LOL What the Fuck 73, bon, on peut se la fermer. Enfin bon. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour nos aventures. Vous voyez, des fois, souvent on tombe sur des abrutis en jeu. Hein. C'est comme ça. Hein. Enfin bon, c'est bête. C'est dommage. C'est dommage. Et le matchmaking est moisi. C'est ça qui est dommage. On devrait avoir des équipes plus ou moins équilibrées, sachant qu'on ne peut pas choisir notre robot une fois dans la game. Donc le matchmaking devrait faire en sorte d'avoir des équipes équilibrées. Avec un ou deux snipers, un corps à corps, enfin des trucs comme ça, vous voyez. Mais non. Ou alors ils permettent, comme dans par exemple Overwatch, de changer de robot en plein milieu de la game. Une fois ou deux. Une fois, même ne serait-ce qu'une fois. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop. Je suis en train de décéder moi, clairement là.